Bonjour à tous, ou rebonjour peut-être si vous étiez déjà là ce matin lorsque l'on vous présentait le nouveau giveaway que l'on vous propose sur la chaîne. Si vous l'avez raté, il s'agit d'un giveaway qui vous permet de gagner un mois d'abonnement de RTX 3080 sur GeForce Now et le jeu God of War. C'est en partenariat avec Nvidia et donc vous pouvez retrouver ça soit en description ou soit sur la petite fiche qui s'affiche. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour parler justement de la communication de Nvidia pour cette semaine. Ça sera beaucoup plus court que les autres semaines, c'est une petite semaine. On a 8 jeux et on n'a pas d'informations techniques particulières à présenter. Mais on voit ça juste après l'intro. Donc oui, cette semaine, on a 8 jeux qui débarquent sur la plateforme de Nvidia. La plupart sont des jeux qui sortent cette semaine. Et il y a surtout un jeu en particulier qui était attendu et qui est un peu l'événement central de ces annonces. Il s'agit du jeu Evil Dead qui sera disponible sur l'Epic Game Store. Comme d'habitude, je vous propose une présentation succincte de chacun de ces jeux de manière à ce que vous puissiez vous faire une idée rapide des jeux qui arrivent cette semaine sur la plateforme de Nvidia. On commence avec le jeu Evil Dead qui sortira lui le 13 mai et est disponible sur l'Epic Game Store. Entrer dans la peau d'Ash Williams ou de ses amis de la franchise emblématique Evil Dead et travailler ensemble dans un jeu riche en action, multijoueur en coopération et en PVP. Incarnez une équipe de 4 survivants, explorez, pillez, gérez votre peur et trouvez des objets clés pour colmater la brèche entre les mondes dans un jeu inspiré des 3 films originaux Evil Dead ainsi que de la série télévisée originale Stars Ash vs Evil Dead. On continue avec Achille, Légende Untold qui est disponible sur Steam. Mettez fin au conflit entre Hadès et Arès dans cette action RPG Soul-like. Combattez les dieux, vainquez des créatures mythologiques et rassemblez des ressources, seuls ou en coopération, dans ce jeu Achille Legends Untold disponible sur Steam. Brigandine The Legend of Runercia disponible lui aussi sur Steam et qui sort cette semaine. Le continent de Runercia abrite 6 grandes puissances avec plus de 40 bases, 100 chevaliers et 50 types de monstres. Choisissez un souverain, organisez les chevaliers et les monstres en troupes et partez à la conquête des bases ennemies. La manière dont vous souhaitez mener la bataille ne dépend que de vous. Alors élaborez les meilleures stratégies et menez votre nation à la conquête du continent. Comment allez-vous devenir votre propre légende? Neptunia X Senran Kagura Ninja Wars, disponible aussi sur Steam. Dans ce jeu, Neptunia et Senran Kagura unissent leurs forces dans ce RPG hack and slash. Associez 10 personnages jouables pour découper des hordes d'ennemis, canaliser les éléments et effectuer des attaques spéciales. Songs of Conquest, disponible à la fois sur Steam et sur l'Epic Game Store. Un jeu de stratégie classique au tour par tour mêlant des éléments de RPG, de conflits militaires ainsi que de gestion de royaume. Levez des armées, maîtrisez la magie ancestrale et partez à la conquête de terres lointaines pour bâtir un empire qui marquera l'histoire. Cepheus Protocol Anthology, disponible lui aussi sur Steam. Vivez l'épidémie du virus Pangu, sous plusieurs angles, alors que les courageux héros du centre de recherche et de contrôle des épidémies luttent sans relâche pour stopper la propagation d'un virus extraterrestre cataclysmique qui a transformé des innocents en créatures monstrueuses d'une puissance inimaginable. Pogo Stuck Rage With Your Friends, qui est disponible lui aussi sur Steam. C'est un jeu court, mais agréable, néanmoins très stimulant, qui consiste à escalader une montagne sur un bâton de pogo. Inclinez le personnage, sautez, utilisez l'élan et le power boost à 360 degrés pour atteindre des hauteurs inimaginables. Et enfin, le dernier jeu pour cette semaine, disponible aussi sur Steam, il s'agit de Yet Another Zombie Defense HD, qui est un jeu de tir en vue du dessus, comportant des éléments de tower defense, permettant d'accueillir jusqu'à 4 joueurs en coop local ou en ligne. Construisez votre base le jour, défendez-la la nuit, mettez vos nerfs à rude épreuve et restez en vie le plus longtemps que possible. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère pour vous que vous avez l'occasion de pouvoir vous inscrire pour notre giveaway. Vous avez jusqu'au 30 mai pour pouvoir le faire. S'il y a des informations qui vous intéressent, notamment le jeu Evil Dead, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Peut-être qu'on pourrait se faire une soirée communautaire aussi sur ce jeu. Il y a peut-être des choses intéressantes à faire. Et puis de mon côté, il ne me reste plus qu'à vous encourager à vous abonner et puis à passer une bonne fin de semaine dans les nuages.